C'est devenu les produits faciles à trouver dans presque tous les kiosques et au quartier, les grands marchés, les carrefours et les longs des avenues. À la tombée de la soirée, ce sont des vendeurs ambulants qui circulent dans presque tous les coins où l'on va à la bière, à la recherche des potentiels clients, et tout le monde a son choix, soit de les consommer naturels ou déjà traités. Certains vendeurs au marché central de Goma, comme le long des routes, estiment que les produits sont de plus en plus recherchés pour leur efficacité. Ces derniers temps, il y a de fortes demandes. Par exemple, ceci, c'est pour établir dans 14 jours la puissance sexuelle perdue. Avec ce commerce, je nourris très bien ma famille. Des produits aux effets miracles, des consommateurs connaissent bien les conséquences, mais difficile d'abandonner. Question pour eux de rester toujours efficaces. Une habitude qui suscite des questionnements. Le plus âgé pense que les jeunes devraient rester naturels au lieu de se précipiter à une impuissance sexuelle dans les prochaines années, surtout pour leur vie de couple. Les sexologues à la clinique Kessimac de Goma, docteur Ndabo, pensent que les jeunes jouent aujourd'hui avec le feu en utilisant ces aphrodisiaques pour maintenir très longtemps leur libido et les conséquences sont énormes.